bah YouTube, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog. Je suis désolée. Oh mon Dieu, je suis tellement horrible. Je suis la pire YouTubeuse vlog au monde. J'étais en train de. Ben là, en fait, j'ai fini de faire du montage. Mes journées se résument pas mal à ça. Ce soir, je m'en vais avec Audrey puis Cynthia Dulude. Je sais pas s'il va y avoir d'autres monde. On s'en va au théâtre Plaza à Montréal voir Millenia. C'est genre un talk show live. Nicolas Duvernois, Marie-Lou Wolfe puis Joey Scarpellino qui vont être là. Fait que c'est comme des artistes invités. Et je sais qu'on peut prendre. On peut leur parler. En tout cas, on verra ce que ça donne. Puis là, je viens de recevoir par la poste. Il a fallu que je paye, oh mon Dieu, il a fallu que je paye comme presque 70$ de frais de douane. C'est une compagnie qui m'a envoyé du linge pour que je fasse un review, mais comme il est hors de question que je paye 70$ de frais de douane, donc j'espère qu'ils vont vouloir me rembourser. C'est la compagnie Rose Gal. Pis ouais, c'est ça. Fait que je voulais ouvrir ça, puis je voulais vous montrer ce que ça a l'air. Millie est très intriguée par tout ça, comme d'habitude. Fait que on va voir ça ensemble. J'avais commandé des trucs pour mon chum aussi. J'ai hâte de voir ce que ça va lui faire. J'ai comme 10 morceaux. J'étais en train d'essayer le linge. Ça cognait encore à ma porte. Puis j'ai reçu encore une boîte de chez Adormi. Waouh, j'ai reçu plein de choses aujourd'hui. pour vrai, ce que je suis en train d'essayer, il y a des trucs qui font. Puis il y a des trucs qui sont comme pas vraiment comme sur l'image. Hein. Fait que, attention, le site Rose Gal. Si vous pouvez peut-être éviter. J'achèterai pas là-dessus vraiment. Je sais qu'il va falloir que je fasse quand même une petite vidéo pour présenter ça. Il y a des belles affaires, mais il y a des trucs comme. C'est surtout les grandeurs là, qui font absolument pas. Là. Souvent, je commande du large, puis ça me fait même pas. C'est trop petit. Puis je suis pas vraiment. Je ne suis pas une large. Dans la vie de tous les jours, donc c'est ça. Puis même les trucs que j'ai commandé comme pour mon chum, on avait commandé, je pense, des fois du extra large, justement pour comme être sûr. Puis on avait calculé avec les grandeurs puis tout. Puis non, genre c'est pas du extra large, c'est du small. Ça me fait à moi, fait que c'est impossible que ça y fasse à lui. Il va être tout pogné, pauvre petit. Le truc de Adormi, ça fait, c'est comme un petit pyjama. Genre cute, mais je l'ai pris en small, j'aurais dû prendre un extra small, tu sais, ça, genre, faut que je porte du extra large, du large, pour que ça fasse. Puis ça, je commande du small, puis c'est trop grand. Ouais, mais c'est pas grave, c'est cute, j'aime bien ça, c'est confortable, ça fait changement de ces choses horribles. En tout cas, Billy, elle aime bien les sacs. Hein, Billy, t'es bien sur ton petit sac? Ben oui, t'es bien. Audrey, elle vient souper chez nous tantôt, puis checker mon frigidaire, comment qu'il est vide! Je sais même pas qu'est-ce qu'on va manger! Là, ma mission, c'est d'aller trouver de quoi se nourrir. Je vais aller au IGA. Depuis tantôt, je parle, j'ai parlé de plein de sujets croustillants, puis je viens de me rendre compte que j'enregistrais même pas. Point, j'ai parlé de plein de choses que vous ne saurez jamais. J'ai parlé que ce mois-ci, je viens de recevoir mon chèque. De YouTube. YouTube paye une fois par mois les YouTubers quand vous avez un certain nombre d'abonnés, blablabla. Et donc je disais que YouTube c'est pas payant comme quand t'as pas 1 million d'abonnés, je pense. Ton montant est toujours un peu incertain. Puis là j'ai reçu mon chèque, ok? Et j'ai un petit peu de stress en moi parce que je me fiais beaucoup sur ce montant-là pour comme payer mes impôts et tout ça parce que Emma n'a pas vraiment mis d'argent de côté pour les impôts cette année. Ouais! Donc, j'ai de l'argent de côté, mais tu sais, c'est pas pour ça, là. Ah, bref. Fait que c'est ça. Je vais être au métro Berry-UQAM.
toute cette semaine et peut-être tout le mois avec ma tuque, un petit chapeau pour ramasser de l'argent. Je pourrais faire une petite danse si vous voulez en échange d'un petit, un petit billet de 5$. Donc c'est juste pour m'aider à survivre ce mois-ci. Non, pour vrai, je ferais pas ça, mais tu sais, comme j'ai quasiment le goût d'aller porter des CV chez McDo, là. C'est à ce point-là. D'ailleurs, je dois filmer ma vidéo de mon expérience de travail. Il y avait un trou chez McDo. Vous allez voir, c'est très cocasse et farfelu. Et bref, tout ça, là, je m'en vais chez Super C finalement. Je vous ai menti tantôt. Je vais chez Super C parce que c'est moins cher. Regardez ce que j'ai acheté! Je suis sûre que vous vous en foutez, mais c'est pas grave. J'ai acheté du yogourt, j'ai acheté des petits muffins au chocolat, les meilleurs céréales au monde mélangés avec du yogourt, là. Ça pis ça, là, mon four est sale, là, regardez pas. J'ai acheté des petites carottes pis des petits cocons! On va bien souper avec ça! En fait, j'avais déjà de la viande, c'est de la marque Le Truc. Mais là, j'ai plus l'emballage, là, mais je l'avais mis sur Snapchat. C'est la même marque que tout ce que je mange comme végé ces temps-ci. Je me considère pas végétarienne. C'est juste que... vrai, je vous fasse une vidéo là-dessus là, pour vous en parler parce que... Pour vrai, les gens, ils comprennent pas trop. En même temps, ça vous regarde pas, mais j'ai l'impression que ça serait cool de comme vous expliquer pourquoi est-ce que, genre, je mange plus de viande ou du moins j'en mange moins. Écrivez-moi dans les commentaires si c'est peut-être quelque chose que vous aimeriez que je fasse, ça vous intrigue. Parce qu'il y a plein de produits qui existent là, pour remplacer tout ça. Donc, ouais, c'est ça. T'es belle. T'es donc bien belle. Donc là, je vais faire des morphines pour que quand André arrive, ça soit prêt. Parce qu'on n'a pas trop de temps. Elle arrive, puis faut déjà souper. Puis après ça, on s'en va à Montréal. Et s'il n'y a pas trop de trafic, on risque d'arriver à l'heure. Je suis tellement pas habile, ma gueule. Oh, regardez mon sandwich flou. Vraiment bon. Je l'ai pas du tout. Presque tout. On l'a tout mangé. C'est un petit pain à hamburger avec des œufs, avec une fausse tranche de ballonné, là, c'est genre du tofu. Puis avec la luzerne. Puis Audrey, elle a voulu aimer ça. Non, non. Oui, c'est ça. Vraiment bon. Cool. À reproduire. À reproduire, à reproduire. Tu veux du faux ballonné, Billy? Elle va le manger, hein, même si c'est genre du soya. Non! Hey! Couché! Bon, ça glisse! Fait que là, on est en train de marcher dans une ruelle. Creepy! Creepy! C'est juste là! Ah, on est proche! Oui! On est arrivé Théâtre Plaza! Voilà! On voit pas, mais c'est un verre! Voilà! Puis on est dans la section médias. Est-ce qu'on voit quelque chose? Mon Dieu, on vous voit! Bonjour! Puis c'est ça. Fait que là, ça va se passer là-bas. Voyez, là-bas. Mon but derrière ça, c'est vraiment d'éduquer les gens sur c'est quoi être en santé. C'est quoi se supplémenter? C'est quoi ce moment-là? Bonjour, c'est ça. OK, donc là, c'est terminé. Il y a Marie Nouveau. Avec. Il y a Joey ici. On s'est même pas filmé pour vrai. Joey. Attends. On fait un vlog. Ah, bonjour. On fait un vlog? Oui. Hey, c'est flou. C'est flou. Okay. On parle de quoi? Mais on dit à quel point Pierre va être jaloux. Ouais. J'ai dit. Oui, écoutez. Tu connais? Ben oui, c'est mon ami. Ah, attends. C'est Bird. Oh, voilà. Bon, est-ce que ça a été pris en photo? Home sweet home, j'ai eu un bec de Joey Scarpellino, j'espère que PL t'es jaloux. C'est super le fun la soirée, j'ai eu un selfie avec Marie Wolf, c'est vraiment nice, j'ai vraiment adoré ça. Puis l'animatrice est trop hot pour vrai, c'est comme, elle a 21 ans, genre, je
me sentais si vieille, oh mon dieu. Vraiment cool. Belle soirée, j'ai adoré. Je veux y retourner, c'est sûr et certain. C'est vraiment fun. J'ai passé un beau moment. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce vlog. On se reparle dans une prochaine vidéo. Bye!